Boum! Bonjour YouTube, bienvenue à tous! On se retrouve pour le film Le Laboratoire de la Mort DLC Far Cry 5 Zombie. On va donc se faire le dernier film et on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, si on devait faire un petit bilan vite fait, pour le coup, ce DLC-là ne ressemble pas du tout aux autres, aux deux autres. Le premier, on était au Vietnam, on était vraiment dans l'ambiance Vietnam Rambo, des nouveaux véhicules, de nouvelles armes, etc. Une nouvelle carte également. Le deuxième, on était sur Mars, donc pareil, plein de nouveaux petits trucs, une nouvelle façon de jouer, des nouveaux monstres, une nouvelle carte. Et là, le dernier, version zombie, mais ils ont pas fait ce que je pensais. Moi, je pensais qu'ils feraient une nouvelle carte et qu'ils nous laisseraient nous balader dedans un petit peu à la Red Dead Redemption Undead Nightmare. C'est-à-dire un Far Cry 5 qu'on connaît dans le Montana, avec tous les civils qui seraient des zombies. Et qu'on ferait des petites des captures de villes, pourquoi pas, ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout, ils ont décidé de faire un système plutôt à la Left 4 Dead 2. Donc ça, je ne l'aurais jamais deviné. Et on a un film, et chaque film raconte une histoire entre 10 et 15 minutes par affiche. Donc ça peut paraître assez rapide. Mais après, chaque affiche est différente des autres affiches, en fait. Un coup, on doit se sauver, faut aller à l'hosto. Un coup, on est sur un pont. Un coup, on est dans une petite vallée. Un coup, on est dans un champ. Enfin, voilà, il y a des petits trucs. Personnellement, je suis très, très, très ravi. Le Laboratoire de la Mort, c'est le dernier. On va donc voir ce que ça donne. Laboratory of the Dead de Guy Marvel Feature. My Most Ferocious Horror Film. Écoutez, on va aller voir ce que ça donne. Scénario en solo, c'est parti pour le dernier épisode sur le DLC Zombie de Far Cry 5, mesdames et messieurs. Yoti Gamer, bienvenue à tous Twitch. Allez, on va voir ce que ça donne. Notre ami commun veut qu'on se parle, alors on se parle. Monsieur, j'avoue que c'est un véritable honneur d'échanger avec le roi des films de monstres. Ça s'arrête bientôt le léchage de cul ou faut que je nous prenne une chambre? Allez, raconte-moi. Imaginez un peu, un labo top secret, les alarmes qui hurlent, il se passe quelque chose. Des traces de sang ici et là, paf, étalées sur les murs. Le chaos! Mais on voit rien du tout, ni personne, juste des ombres. Des ombres. Transition. Ah. Un téléphone rouge qui sonne sur une table de chevet. Notre héroïne va décrocher. Ouais, une putain de femme de poigne dans une maison de banlieue tranquille. Oui, madame la présidente. Oh merde, notre héroïne est tellement importante qu'elle parle directement à la présidente. La présidente lui dit: il y a eu un incident dans un laboratoire secret. Si ça dégénère, notre monde est fini. Notre héroïne répond: je m'en charge. Jusque-là, je suis conquis. Mesdames et messieurs, c'est parti. Donc, comme vous l'avez compris, chaque film égale une histoire tout ce qu'il lui faut au avec les graphismes de Far Cry 5. Des balles et un super jet ski fourni par le gouvernement. J'adore les scènes en jet ski dans les films. Un coq, ok, parfait. Qu'est-ce qu'on a en arme? Un petit pistolet. Petit bazar, ok, parfait. On est parti. On doit trouver le laboratoire secret. Une suite de grands tuyaux industriels dont s'échappe un liquide qui transforme en zombie. Pleine lune, faut faire attention. Voilà, donc c'est le liquide jaune là qui transforme les gens en zombies. Notre héroïne s'approche de deux amants sous la pleine lune, en pleine baignade sexy. Ah. Une attaque d'ours zombie. Cours! Eh hey, monsieur! Oh! Ah non! Le karma! Mesdames et messieurs! Allez! Allez, Kiki! Viens ici, Kiki! Et ensuite. Allez, Kiki! Allez, on se reconcentre. Ah non, pardon. C'est un élan zombie. Un caribou. Ah. Oh le salaud. Merde, y'a l'ours. Oh putain, lui il va nous niquer notre mère. Là, c'est le karma, mesdames et messieurs.
On est sur le karma. C'est-à-dire que de base, je me foutais de la gueule de l'ours. Au final, il est derrière, il nous court après. On essaye de se mettre en sécurité. Oh là là, la vie de merde. La vie de merde. Allez, monte. Oui. Aïe. Vilain. Vilain nounours. Vilaine bête. Voilà ce que t'es. Non, en restant. Vilaine bête. C'est pas facile à tuer un ours. Alors, on prend une nouvelle arme et on est parti vers le labo militaire, mesdames et messieurs. On peut faire mieux que ça. Et laisser deviner ce qu'on va trouver dans le labo. Ouais. Et là, voilà. Là, elle croise un conteneur avec du liquide qui fuit. Et les chasseurs qui campaient à côté se sont transformés en zombies. Allez. Entrez chez vous. Merde. Attendez, c'est compliqué. On doit abandonner la cabane. Go. Aïe. Non, tire. Aïe. Voilà, c'est bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand ça se referme, ça tue les zombies qui sont autour. Voilà, c'est un truc à retenir. Yo Didi, bienvenue à ceux qui débarquent. Petit let's play tranquillou sur Far Cry 5. Et pour info, vous regardez le dernier épisode, tout sera dispo sur YouTube. YouTube, je compte sur vous pour liker la vidéo et vous abonner pour ceux qui ont aimé ce petit let's play. C'est vrai que je fais rarement des let's play. Mais Far Cry 5, j'aime bien. Et il se trouve que je trouve que les DLC sont... vachement sympas. Donc du coup, bah ça fait d'une pierre deux coups, quoi. Alors on est parti. On doit trouver le laboratoire secret, hein. Je vous rappelle le but du jeu. Peut-être une idée d'ajout pour Arma for Life. Notre héroïne approche d'abeilles zombies. Mais non. Faut leur donner un nom plus cool. Des zombies. Pas mal. Aïe, à l'ours. C'est de la poésie shakespearienne. Voilà ce que c'est. Pourquoi je peux pas monter plus haut? Arrête. Ah merde, je peux pas aller plus haut, c'est bugué. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Pensez qu'il me suit. Allez. En tes balles, vilain. Ouais, j'ai un peu bugué le jeu. C'est compliqué. Ah non, il veut pas mourir, hein. Nous allons y arriver. Ouh. Et ça, c'est quoi? Vous pensez que je dois leur tirer dessus? Oh, c'est vraiment stylé. On a vraiment l'impression d'en avoir sur l'écran. Bon, attendez. À mon avis... Oh, DLC zombie, abeille tueuse gagne... Ok, nice. J'ai gagné un succès, mesdames et messieurs. J'ai tué les abeilles tueuses. Bon, je sais pas si elles étaient vraiment tueuses. Dans tous les cas, nous, on était là. Alors, est-ce que je peux monter? C'est pas possible. Il y a un mur invisible qui m'empêche de... Qui m'empêche d'escalader. Donc, ça doit pas être ici. Peut-être là-bas. Après, c'est un laboratoire secret, donc du coup... Si c'est secret, c'est secret, quoi. Yo, Plink, Emric, bienvenue à tous. Si c'est secret, c'est secret.
L'héroïne passe devant une petite tente. Le feu de camp. L'héroïne, je pensais que c'était la drogue. Signe du campeur. Aucun signe, sauf une traînée de sang. Ah, ok, fallait que je passe ici. Une traînée de sang. En suivant la traînée de sang, elle trouve un élan zombie qui se régale avec le campeur. Putain, j'adore. C'est super gros, un élan. Va mourir. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu lâche de se planquer à chaque fois où les ennemis peuvent pas me toucher, mais sinon c'est vraiment bordel. Je vous laisse admirer. Oh, j'ai peur. Je vous laisse admirer un peu à quoi ça ressemble. Mais je pense qu'ils auraient pu faire vraiment toute la carte en mode zombie. On a trouvé le laboratoire secret. Je crois qu'il est là. Après ça, notre héroïne remarque qu'elle est presque arrivée. Le suspense va me tuer. Tout ce qu'on a, nana. C'est quoi ce truc? Nana nous a conduit, nana, à ce moment. Des fois, il se passe des trucs bizarres. Hein. Voilà, me demandez pas, j'en ai aucune idée. Alors là, on s'est fait attaquer par un glouton chelou. Je sais pas trop ce que c'était. Donc là, c'est un avant-poste. Allez, hop. On va aller voir vite fait ce qu'il y a ici. Ah. Un peu de vie, ok, nice. Bon, on est parti. En avant, Yored, bienvenue à toi. Bienvenue. Oh là. C'est insupportable ces bestioles là, je vous le dis. Parfait, on a le laboratoire en visuel, mesdames et messieurs. On est parti. Et YouTube, n'oubliez pas le petit like zombie. Elle voit une carcasse d'hélico. Non. Allez hop. Bien entendu, sans aucun survivant. On va se mettre à l'abri. Allez, venez. Venez les petits. Alors, il m'en reste deux encore. Où c'est qu'ils sont? Regardez, là, il y a les soldats du... Il y a les soldats de l'hélico qui sont morts. Il y en a un qui s'est fait bouffer une jambe, on dirait. Je vois pas où est le dernier zombie. On va descendre, on va aller voir. Au péril de ma vie, YouTube, Twitch. Regardez-moi. Ce courage. Ce courage légendaire. Ah. Soldat, vous n'êtes pas mort pour rien. Ouvrez la porte. Et là, un ours. Ah non, c'est bon. Et là, notre héroïne tombe sur des viscères. Non, on devrait plutôt faire ça version 18+. Et ça vous dirait des viscères encore pires à vous coller la gerbe, interdite dans les salles pour la version Blu-ray. C'est un délire comme un autre. Et là, il y a du monde par contre. Reculez! Merde! Allez, on recule! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais ce qu'il nous faut là? Un obstacle. Parce que jusque-là, notre héroïne a réussi à tout exploser avec ses armes. Donc là, elle va devoir trouver une sortie. Ah. Ok, ok, donc ensuite, oh là, on voit un loup zombie en train de dévorer quelqu'un. Mais vraiment, merde, il bouffe tout, hein, il se régale.
Il va venir nous bouffer, je vais sursauter, je préfère vous le dire. Ah, c'est bon. Ça sent le sursaut dans pas longtemps. Voilà. Oh là ! Aïe ! Merde. Ok, on a besoin d'un moment d'effroi. Alors, je propose un putain de zombie géant. J'ai cru que c'était de la corpse zombie. Yo Donos ! Oui, c'est vrai que c'est ressemblant. Mais non, c'est pas ça. Merci Donos, ça fait plaisir. Merde, ça va exploser. Arrête ! Arrête ! Besoin de renfort ! Besoin de renfort ! Non ! Merci Donos ! Ah, c'est pas possible ! What ? D'accord, quand il explose, il m'a enlevé toute ma vie. Ok, LM. C'est pas simple. Oui, le prochain Assassin's Creed, j'ai regardé un petit peu, mais je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Je crois que c'est en Perse avec les 300, les Spartiates et tout. J'ai envie de te dire, pourquoi pas. Ok. Oh, y'a le loup. Ok, parfait. Quelle sera la fin de ce scénario? Il pourrait faire un jeu par épisode de ce DLC. Hein. Ensuite, notre héroïne entre dans une salle réservée aux expériences. Oh, mais oui, j'adore! On a commencé avec un mystère, et là, on va le résoudre. C'est un laboratoire secret souterrain, non? On doit se sentir pris au piège. Comment on dit déjà? Kleptophobe? Claustrophobe. Voilà. Eux, je les ai tués, comme ça, quand ça va s'ouvrir, ils viendront pas. Ça, je peux pas le casser. Cette société fait des trucs vraiment super bizarres. Mes pauvres loups. Ils sont innocents. Merci Donos. Je suis courage. Je suis courage. C'est cute time. C'est pas facile, mais j'essaye. Ok. Et pour info, pour ceux qui débarquent sur Twitch ou YouTube, voilà. Vous avez, mesdames et messieurs, sur YouTube, un épisode par film. Donc pour ceux qui ont tout raté, vous pourrez tout mater. Tout est dispo. Grenade ! Voilà, tout est dispo sur YouTube, je mettrai tous les épisodes. Ça, vous pourrez tout remater. Quel bordel. Ah, je dois fouiller le laboratoire, j'ai pas fini de le fouiller, merde. Ah si, 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 c'est bon. Faut que j'avance. Je pensais que j'avais un truc à ramasser, que je l'avais oublié. Voilà, c'est ça qu'on veut. Hors de ma vue. Entre dans un vestiaire rempli de sang. On approche du grand final, petit. Disons plutôt une réserve d'armes. Oh, sympa, ça. Qu'est-ce qu'on se prend? Mesdames et messieurs, préparez-vous pour le boss de fin. Préparez-vous pour le boss de fin. The boss of the end, à mon avis. Je pense que ça va être... Je pense que ça va être sympatoche. Pierre sans ça, c'est de l'armurerie. Ouais, ouais, carrément. Carrément, Donos. Là, c'est de l'armurerie de compétition. On part lance-flamme, bien évidemment. On part lance-flamme. C'est vrai qu'on a un petit peu de chance, hein, parce que... Depuis le début, c'est un peu le bordel. Mais à mon avis, c'est pas de la chance. C'est une malédiction, on va tomber, je pense, sur des bestioles. Reculez! Reculez, messieurs, reculez! Force spéciale de sécurité!
Nous avons un peu une station de mutation au milieu de la pièce. Pas besoin de dialogue. Merde, j'adore l'absence totale de dialogue dans ce film. On a juste une héroïne badass qui résout un mystère en tabassant des monstres. Le carnage. Bam. Exactement. C'est la guerre. Ah merde. J'ai foutu. Non. Aïe. Donc notre héroïne s'est occupée de la capsule. Mais le liquide coule toujours. Ah merde. Oui, oui. Parce qu'en fait, il vient d'encore plus bas. Oh, laissez-moi tranquille. Il vient d'encore plus bas. Comment ça d'encore plus bas? Là? Ah, c'est Carnage City, hein. Ah non, je dois ruiner le tuyau du liquide. Attendez, on va essayer de... Attends, ruiner le tuyau. Ouais, je dois aller en bas. Bon, heureusement qu'on a plus ce stuff. Ça tombe bien. Ça tombe bien, j'avais justement envie de piquer une tête. Elle plonge tout au fond. Madame ! Voilà la source du liquide qui transforme en zombie. Et elle va devoir tout faire sauter. Mais oui, elle est prête à faire le sacrifice ultime. Si on retourne, ça veut dire que le monde sera plus sûr. C'est pour ça que les gens vont au cinéma. Ils veulent... Dans le feu et la fumée, on voit notre héroïne. Baoum ! Rien n'arrêtera cette gonzesse. Notre héroïne rentre chez elle après avoir sauvé fort. Le monde dans la nuit. Et tandis qu'elle s'endort, la porte de sa chambre s'ouvre. C'est sa fille. Bonjour, maman. Notre héroïne sourit. Ah bah l'a tuée. C'est vraiment trop beau. J'adore le message, le personnage, l'émotion. J'adore tout. Ouais, on va en faire une franchise multi-récompensée, petit. Il va falloir un sacré budget. Et toi, tu débutes comme réalisateur, je me trompe? J'ai fait des jeux vidéo. C'est nul. Pourquoi tu ferais pas un essai d'abord? Oh, Blue Dragon! Tout ce que vous voulez! Le premier réalisateur a rejoint une secte, alors. Tu connais un peu le Montana? Blue Dragon, je vous le conseille. Hein. Dispo chez Instant Gaming. C'est du lourd! Boum, 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 boum. Mesdames et messieurs, c'est la réussite! Eh oui, c'est le GG! C'est le beau jeu qui tombe, bien évidemment. Le petit spawn kill, c'est vrai. Yo, monsieur Raph. Bienvenue à tous Twitch! YouTube! Nous l'avons fait! Alors, est-ce qu'on a le truc de fin? Un petit truc. Ah, c'est beau! Bah, ça, c'est le GG, ça! Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, vous venez de voir l'intégralité du Let's Play, du DLC qui s'appelle Dead Living Zombie sur Far Cry 5 PC qui est sorti le 28 août, soit aujourd'hui, et on a absolument tout fait. Voilà. Donc, c'est le genre de truc qui est plutôt plaisant, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Donc là, 15-20 minutes par épisode, donc assez sympa, ça s'enchaîne assez vite. Vous en avez 7, vous en avez du coup allez, pour 2h, 2h30, on prend un petit peu votre temps, peut-être moins si jamais vous speedez un petit peu, mais c'était assez sympathique, on a donc fait absolument tous les films que vous voyez là, et il y aura du coup un épisode sur YouTube par film. Pour cet épisode, on cesse là-dessus. Likez la vidéo, abonnez-vous YouTube si ça vous a plu. J'espère que c'est le cas parce que personnellement, j'adore les zombies. J'aime beaucoup Far Cry 5. Et c'était le dernier DLC que j'attendais. Étant donné que c'est le dernier qui avait été annoncé. Un sur Mars, un au Vietnam, un zombie. Voilà le zombie, mesdames et messieurs. C'est le beau jeu. Nono 1, 2, 3, Pink Donos, Soul. Bah écoutez, c'est le beau jeu. En tout, ça m'aura pris 2h30 à peu près. Allez, on va dire 2h, un gros 2h à finir ce DLC. Je crois que les autres étaient un poil plus longs, notamment le DLC sur Mars. Mais il était tellement long que c'était, je trouve, le point négatif de ce DLC. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés. Et que peut-être vous y jouerez ou pas. Dans tous les cas, on se laisse là-dessus pour cet épisode.
je vous le montre peut-être pour la fin, pour ceux qui se demandent comment on fait. Il vous suffit d'aller dans pack additionnel que vous voyez juste ici, de cliquer sur OK et de choisir après le DLC que vous voulez. Si vous avez le Season Pass, les trois sont compris. Je vous recommande fortement Hour of Darkness, où là, vous avez vraiment un mini Far Cry avec une nouvelle carte. Vous êtes en open world, vous faites ce que vous voulez en suivant des petites quêtes, si vous voulez, qui est très sympathique. Et Dead Living Zombie, où donc c'est un film par un film. C'est moi, il y en a un qui est en train de faire l'amour à l'autre qui est sur la bagnole, là. Enfin, bref. Et du coup, c'est assez stylé. Voilà, vous noterez que le zombie bouffe un mouton et qu'il n'y a pas de mouton dans le jeu. Enfin, du moins dans le DLC, on n'en a pas vu. On s'assoit là-dessus, c'était super. Likez la vidéo, abonnez-vous, bisous, chouchou. Le let's play est terminé. Salut!